L'été 2014 sera marqué par l'ouverture au mois de juin d'une importante rétrospective, la première véritable rétrospective dévolue à cet artiste, en l'occurrence Gustave Doré, une figure majeure du 19e siècle, une exposition que nous préparons depuis 2 ans en étroite collaboration avec le musée d'Orsay. La manifestation sera préalablement présentée dès le mois de février au musée d'Orsay et chez nous dès le mois de juin. Pour l'étape nord-américaine, il y aura autour d'une centaine d'œuvres. Donc, alors bien au-delà uniquement de la lithographie et de l'illustration, nous nous sommes attachés à mettre en évidence le fait que Gustave Doré est aussi un peintre, est aussi un sculpteur, ce qui fait que vous découvrirez son œuvre sculptée et probablement son chef-d'œuvre, qui est le poème de la vigne, qui est depuis 1893 visible à San Francisco, une œuvre de 4 mètres de haut et de 3 tonnes, et qui sera transportée à Ottawa exprès pour l'occasion. Donc œuvre sculptée, peinture, lithographie, dessin. Il y a une tradition ici au Musée des Beaux-Arts du Canada de s'intéresser à l'école française, qui fait partie de son identité. Mes prédécesseurs ont illustré cet intérêt dans leur programme d'exposition dès les années 70, dans le cadre de collaborations, notamment avec des institutions telles que le Musée du Louvre ou le Grand Palais à Paris. Une tradition qui s'illustre également au point de vue patrimonial dans notre collection, comme vous pouvez le voir ici dans cette grande galerie dévolue au XVIIIe siècle, et que nous nous attachons à cultiver. Encore récemment, nous avons pu faire entrer dans nos collections un tableau extrêmement important de Pierre-Paul Prudhon, L'innocence séduit par l'amour, qui est là l'ultime commande de l'impératrice Joséphine à Pierre-Paul Prudhon peu de temps avant son divorce en 1810. Ou encore plus récemment, un très beau tableau de plein air peint à Fontainebleau par Corot au retour de son premier séjour italien. It's really interesting for us at the AGO and the Canadian program to work with artists from outside the country who come and deal with the collection. Mohammed is a really fascinating artist to deal with because of the way that he works. He'll go places that often other people won't go. He'll ask questions that we don't ask. He'll frame the work in a certain way. He'll make connections that we don't always make. And that's becoming more and more so a key part of the Canadian program, is seeing the Canadian collection from a broader perspective. The exhibition will bring together the drawings, some of the three-dimensional works, some photography and some video, but Mohammed's also developing a kind of unique display system that's based on sort of containers and things that he saw when he went to the Arctic. You know, he's very interested in this work, and it echoes other projects he's done about translations of ideas between cultures, how things become appropriated and shared outside of a culture, how do we make sense of another culture. His explorations and his take and his approach to the work brought a real sort of interesting, new light or new approach to thinking about this collection that's been here for over 20 years, right? Jules, c'est un cas intéressant parce que effectivement, il est français de naissance. Lui et moi, on se parle toujours en français. Mais comme il a déménagé avec sa famille à l'âge de 10 ans à Los Angeles, et que depuis il vit aux États-Unis, il a aussi une approche très américaine. En fait, il a une culture hybride, mais son approche de la peinture est davantage américaine, informée par
par un certain esprit de la côte ouest, à la fois contestataire, mais très, très relax. C'est sans aucun doute un des meilleurs peintres américains, né en France. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il est représentatif d'une diaspora française qui, en s'installant ailleurs, aussi adapte sa vision. Les critiques donc abondantes et élogieuses qu'on a eues pour cette exposition montrent là, que les différents regards en fait, que Jules porte sur le monde contemporain semblent avoir été compris. Quelle longue tradition, effectivement, de collaboration. Qui présentement, je dirais, est presque à son sommet, puisqu'on a une exposition sur Paris, donc Paris en scène, qui nous permet de mettre en valeur dans le riche patrimoine des musées de la ville de Paris. Mais on a aussi l'exposition Jeux vidéo, qui est à partir d'une collection privée française. Donc effectivement, il continue d'y avoir beaucoup de liens assez étroits entre les musées français et le musée de la civilisation. Il y a déjà, sur le plan professionnel, beaucoup d'échanges. Mais on va un peu plus loin, effectivement, notamment avec le musée des Confluences, comme par hasard. Le musée de la civilisation va coproduire avec le musée des Confluences une exposition sur la danse contemporaine, parce qu'on trouve qu'il y a là quelque chose dans l'histoire contemporaine qui est assez important comme rupture, comme évolution. Et c'est vrai que les chorégraphes québécois rayonne à travers le monde, donc on veut mettre en valeur ces chorégraphes, mais on veut mettre en valeur aussi, je dirais, la révolution artistique qui se passe un peu à travers le monde. Et on sait que Lyon, c'est aussi la capitale de la danse à cause de la Biennale de la danse. Et donc l'expo va être présentée d'abord ici, ensuite à Lyon en 2016, pendant la Biennale de la danse. Donc on a encore des projets, effectivement, de collaboration assez étroite avec les musées français. In 2014, the Contemporary Art Gallery will be working with Aurélien Fromont, a young French artist, and it's a major exhibition of newly commissioned work that we've developed in partnership with other venues around the world. The exhibition by Aurélien will present a new body of work, around 80 to 90 photographs, with a set of 11 objects. The visitors to the gallery will be able to also play with these objects. And for Aurélien, what is interesting is that they are suggestive of one and many things simultaneously. You can stack a series of wooden blocks, that can be just a stack of wooden blocks, or it could be a model for a piece of architecture, or it could be a structure for a bridge, or it could be a minimal sculpture. By bringing young artists in from France, they become models in the sense that they can help nurture, help foster dialogue with the local scene.